Et bienvenue, on se réveille, il fait complètement noir. Je suis désolé, mais nouvel épisode de la survie du week-end. On va partir! On va partir, donc. On check l'inventaire encore une fois, juste au cas où. Ça, il faut que je dépose. Ça, il faut que je dépose. On a du bois de récupération. Là, on est bon, on a un peu de tissu, c'est très bien. Pour les outils, on a... nos équipements qui sont très bien taillés. J'ai pris la nouvelle scie à métaux qui est à 100%. J'ai pris aussi le pied de biche. Le pied de biche, si je ne m'abuse, il peut s'abîmer aussi quand on l'utilise, on est d'accord. Mais ça, on peut pas le réparer, je crois, le pied de biche. Bon, après, le pied de biche, techniquement, une fois qu'on a tout ouvert, il n'y a plus rien à ouvrir. Donc, bon, techniquement, une fois que c'est fait, c'est fait. La scie, on peut réparer. On a des torches. Ça va, on a des torches, on a une lampe qui est pleine. On a 15 flèches simples et 9 flèches durcies par le feu. Donc c'est bien, on va pouvoir chasser les lapins si on veut. Un nécessaire de couture, une pierre à aiguiser, c'est bon. Faut que je prenne un peu plus de nourriture. On a du thé, du café, nos vêtements sont en bon état. De bon état. J'ai pris aussi les crampons. Parce que... Je sais plus si on doit prendre des cordes, parce que, alors évidemment, quand j'ai dit on va partir pour aller récupérer la radio. Hein, évidemment, on va partir pour récupérer la radio. On va essayer d'aller assez vite, on va pas trop s'arrêter. Quoique, en fait, c'est faux quand je dis ça, parce que... je vais voir si on peut pas passer un peu plus de temps. Non, on peut pas. Je vais voir si je fais ça. Tu veux pas te fatiguer un peu vite fait? Non? Tu veux pas? Je dis, c'est faux parce que, comme on avait vu le dernier épisode, on avait fait un peu le tour du bâtiment où on se trouve, et on a trouvé en fait des nouveaux objets. Donc techniquement, on va devoir faire pareil plus ou moins partout. Et il y a le barrage de Carter que je veux refouiller. Parce qu'on sait jamais, on va peut-être trouver des choses intéressantes. Donc ouais. On va faire ça. Hop. Ok. Donc ouais, on va devoir prendre un peu notre temps quand même. On peut pas rusher directement à l'aéroport, hélas, parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier. Alors, on va poser ça. On est à 38 kilos. On peut voir notre eau. Notre eau, c'est... On va prendre 5 litres sur nous. Ça nous fait à peu près 5 kilos de viande. Si je dis pas de bêtises. Parce que là, j'ai tout, hein, on est d'accord. Ça. Chaque fois, c'est un peu stressant le fait de partir. Parce qu'il faut rien oublier. J'ai inversé l'arc aussi, j'ai changé l'arc. J'en avais un... Ça, c'est celui-là qui est à 50%. Et là, on a l'arc qui est en bon état, j'avais fait exprès. Tout le temps pareil, hein, évidemment. Je conseille à chaque fois de tout le temps avoir plusieurs arcs. Ah oh non, il fait froid. Alors, 1, 2, 3, 4. On peut prendre beaucoup de viande sur nous. Ouais, on peut prendre beaucoup de viande. Ah, il fait super froid. Ah, ça, par contre, c'est embêtant. Le fait qu'il fasse super froid. Hier, il faisait pas froid du tout. Dans l'épisode précédent, il faisait pas froid du tout. C'est embêtant. J'ai pris beaucoup de viande, donc on va sûrement se faire repérer. Comment on fait? On passe par le haut ou par le bas? Maintenant que j'y pense. Si on regarde un peu la carte. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par le haut, comme ça? Ou on passe par le bas tout le long de la... Que nous, on doit aller ici. Je crois qu'on ira plus vite en longeant la l'autoroute. Je pense qu'on ira plus vite. Techniquement, ça sera moins dangereux aussi, parce qu'on pourra voir les animaux arriver de loin. Donc, ouais, on va faire comme ça. On va avoir froid. On va avoir froid, je peux pas faire autrement. J'ai pas vraiment envie de faire un feu pour chauffer un thé ou quoi que ce soit, je vais être franc. Donc, c'est pas très grave.
On reprendra notre vie quand on se reposera. Allez, go. Go, go, go. On va sortir l'arc, juste au cas où. Ok, très bien. Bon, faut faire attention, hein, parce qu'on va alerter pas mal de loups et tout. Donc, faut faire gaffe. Ouais, on court quand même, on marche quand même beaucoup plus vite. Sur l'autoroute. Mais ouais, comme je disais, toujours, genre, avoir un arc, genre, à 100% quand vous partez en aventure, et après un arc... on va dire pour la zone, que vous utilisez pour la zone. Moi je fais toujours comme ça. Comme ça j'ai aucun problème. Il me faudrait des jumelles. Ce serait bien de pouvoir voir le bord de mer en fait. Donc ouais, on va donc revenir par le lac Mystère, évidemment. Et quand on arrivera au barrage Carter, ce qu'on va faire, c'est que... il faut faire attention parce qu'il y a des loups par là. Quand on arrivera au barrage Carter, on ira le fouiller. Donc on va courir un peu. On va se reposer là-bas. Je suis quasiment certain qu'on va tomber sur un loup. Vu qu'on peut transporter beaucoup de kilos, pour le moment, c'est vrai qu'on est, bien quand même. On est quand même vachement bien. Ça, c'est la mine. Ok, silence radio. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. On va vite, hein. On va super vite, là. Ça fait plaisir. Hop, on dort une heure, on se réchauffe, on boit, on mange et on se casse. Ah, je suis content. Je suis content, je suis content. Non, on va vite. Même s'il fait un tout petit peu froid, ça va, ça va. En plus, on a du 1125 de calories. C'est du quoi, ça? C'est de l'élan. Donc, ça va. Hop, nickel. Voilà, parfait. J'aurais dû me baisser, c'est pas grave. Ok, il fait un tout petit peu moins froid. Là, il y a un loup. Ouh, j'ai peur que ça soit tempête, ça, par contre. On devrait peut-être monter maintenant. Merde, ça va être tempête. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, oh, je peux pas. Ah, on a vraiment pas de chance. Hein. Le jour d'avant, donc le dernier épisode, il faisait pas froid du tout. Oh putain, c'était... il est juste là en plus. C'était même plutôt tranquille. C'était même plutôt tranquille. Et là, j'avoue qu'on va être bloqué par... par le temps. Aïe aïe aïe. Alors, c'est pas grave, c'est pas grave, on va passer le temps.
Alors, est-ce que j'ai des trucs à réparer? Pas vraiment. Pas de choses en fait. Juste avec du tissu. Ah, j'ai pas vraiment de temps à perdre. Ouh, ça c'est embêtant ça. Ah, c'est légèrement embêtant ça par contre. J'ai strictement rien à préparer, j'ai strictement rien à faire. Ah, quoique, attends. Attends, attends. Ouais, on a ça. Waouh. On peut récupérer du tissu ici. Je crois que je peux avec les oreillers, ça, tout ça, mais il faut utiliser le couteau automatiquement. Ouais, faut utiliser le couteau automatiquement. C'est un peu embêtant. On va se reposer. Aïe aïe aïe. Ah, ça m'embête ça. Non, pour le moment, je suis content de me remettre sur The Long Dark. Ça va, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Faut juste que on arrive à faire les nouveautés et tout ça. Donc on va devoir courir à la radio. J'espère que ça va bien se passer là-bas. Ah oui, on va devoir créer un nouveau kit. Ah non, je vais voir ça. Matériel de pêche. Minutes pour enfiler un fil dans un hameçon quand même. 10 minutes. Quand même incroyable. Je vais voir un peu. Ouais, non. Non, on sort pas avec ce temps-là. Ah là 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 là, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous pourrez faire ça. Ça va. Je suis un peu curieux de voir combien de pourcentage ça va prendre. On était à 96, ça va un peu. 2% quand même, hein. Rien que pour du tissu, hein. Non, ça vaut pas le coup, hein. Ne surtout pas le faire, en fait. Hein. Ah, je crois que le temps s'arrête un peu. On va juste attendre un peu, dormir. On a déjà mangé un steak entier. Et on n'est pas sorti de la zone. C'est magnifique. Magnifique. Ok, maintenant il fait très bon par contre. Nickel, on peut même faire du feu si on veut. Parfait, on avance. Donc on va passer par le chemin de fer. Je sais plus, honnêtement, je sais plus du tout si ça nous mène au lac Mystère directement ou pas. Je me rappelle plus du chemin. Par contre, on fait quoi? On prend en haut ou là? Ah. Je vais être franc. Je crois qu'il faudrait monter.
Je me demande si on peut voir au loin. Si genre un bateau s'est échoué. Parce qu'il paraît qu'on peut avoir des bateaux s'échouer maintenant. J'ai peur de me péter une cheville. J'ai envie de changer pour les crampons, mais on est tellement bon en, en chaleur. Ah, ça nous mène à là. Ouais, non, c'est peut-être pas utile en fait. Hein. Faut que je regarde la carte où on est exactement. Voilà. Je vais voir la carte. On a passé la mine. Hein. Donc on est là. On est au mobilhome. Là on passe le pont. On peut sûrement monter comme ça. Ouais, ok. C'est bon. C'est bien d'avoir une carte. C'est vraiment bien. On peut passer par le pont. Il y a des loups. Ne me fais pas un jump scare, s'il te plaît. Okay. Le jump scare, c'est de se péter une cheville. Hein. Là, on y était allé déjà. Au corbeau, je parle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu. Ça, je suis curieux de savoir. Ça, c'est des choses... Je demande jamais, honnêtement, de commenter la plupart du temps. Hein, parce que les gens, ils... les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Mais ça, je suis curieux. Si vous avez eu des gros trucs... Je sais qu'on m'a sur mon Discord, on m'a déjà dit qu'il y avait des quelques trucs pas mal. Mais si vous avez eu au bord de l'eau, là, des choses s'échouer, genre plus que du poisson, évidemment, hein. des choses un peu rares, je sais pas. Genre, il paraît qu'il y a des bateaux, genre des... Par où on passe? Bon, on a qu'à fouiller un peu. Genre des épaves de bateaux qui peuvent s'échouer, je sais pas si c'est vrai... J'ai pas vu de screenshot en tout cas. Moi j'aime bien voir des screenshots en fait. Je crois qu'il y a quelque chose qui rôde. Peut-être pas. Non, on a l'air d'être bon. Là-bas, c'est les cordes, je crois. Ok, on est bon. Donc, ouais. S'il y a un bateau, genre avec plein de ressources à l'intérieur, ça m'intéresse. Et merde. Bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Bon, on n'est pas vraiment à un endroit où on peut... Quoique, je crois qu'il y a un... Oui, il y a un truc, là. Enfin, à la limite, on peut... C'est quoi, ça? Oh, c'est les nouveaux trucs. Chercher des glands. Ok. Cool! Cool, c'est sympa ça. Donc ça ressemble à ça du coup. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des steaks et on les fait cuire. Il fait jour en plus. On a pas mal de petits bois.
Attends. Attends, on est peut-être jamais venu ici en fait. Ouais, on peut faire du feu. On est peut-être jamais venu parce qu'il y a plein de champignons. Et les champignons, normalement, ils repoussent pas. Non, on n'était pas venu, mobile homme. Ok, nouveau. Nickel, tissu. Cool, ça on a des, on a un peu de nouveautés, c'est sympa. Ouh, oh, putain, j'ai cru que c'était des allumettes. Pas des allumettes. Nickel. Ouais, du coup, on va en profiter, on va faire un feu. On va faire un feu, comme ça on cuit de la viande. Comme ça, on n'a pas besoin de taper dans nos gros steaks. Et on va prendre tous les champignons aussi. Faut que je regarde les glands, combien j'en ai. J'ai pas pris de marteau sur moi, comme j'ai dit, hein, c'est trop grand. C'est trop... Pardon, grand, qu'est-ce que je raconte? C'est trop lourd, hein. Je vais pas me trimballer avec un marteau. On va pas faire le cliché du forgeron avec son marteau. Que c'est 2 kilos, c'est trop. Donc on va essayer de récupérer le plus de glands possible. Et quand on arrivera à un camp qu'on a fait, où il y a un marteau, on écrasera tout. Je pense que... je peux faire un feu en plein sur le cadavre, je pense. Genre là. Nickel. Je pense... Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense, oui. On va pas manger les glands. On va en faire des cafés. Je pense. Et du coup, ça sera... Un truc aussi, je suis en train de me dire. Ils ont sûrement rajouté les glands. Vous savez pour faire quoi faire? Si jamais on a un chauffe-eau là. Pas un chauffe-eau. Oh mince, à chaque fois que j'oublie le nom, c'est ouf, quoi. Un thermos. J'ai pensé à ça, moi. Ouais, très bien. On va poser ça. J'ai pensé à ça, en fait. Je serais pas étonné que... On est un peu loin du feu, hein, c'est pas grave. Je serais pas étonné... Quoique, attends, il dégèle. Je crois qu'il dégèle. Ouais, il dégèle, donc ça va. Le... La distance est bonne. Minutes, très bien. Ah merde, c'est la torche là. Faut que je m'habitue aux nouveaux, aux nouvelles choses. Ok. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on prend? Peut-être un boyau. Ah non, attendez. Alors, on va se mettre là. C'est très bien. On va regarder. Donc, ça. Alors. Grand, gland préparé. Et après, on a gland préparé. Grande portion. Gland préparé. Il en faut 4. Et là, là, on peut en... Ça, c'est... Ah ok, d'abord on les prépare, après on les mixe, je crois. Je comprends pas. C'est ça? Je comprends. C'est débile. Genre il faut 1 minute pour les mettre pour les paquets. Les fruits d'un chêne, préparez-les pour retirer leur coque avant de les cuire. On appelle ça la coque des glands? T'es sérieux? M'étonnerait. Pas vraiment une coquille, si? Ok, donc là j'en ai 2 sur 4. Je vais voir. Alors, des glands sans coque. Faites-les cuire avant de les manger ou les broyer pour faire du thé.
Donc maintenant, je peux faire quoi avec ça? Donc l'embroyer, grande portion. Ok. Je comprends rien du tout. Je dois être bête, hein. Je dois être bête. Je comprends rien du tout. Donc là, on a des glands préparés. Donc si j'en ai 4, je fais gland préparé, grande portion x 1, c'est ça? Et là, je peux broyer en fait ou les 4 uniques ou la grande portion en une fois, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Mais du coup, c'est quoi la différence? Est-ce que la grande portion vaut plus que 4? Ah, vu le nombre, j'imagine, ouais. C'est pas très très clair hein, quand même. Hein. C'est pas super clair. Hein. Je veux pas dire, mais... C'est pas des masses claires, leur machin. Genre là... Aucun emplacement de... Bah si. Alors là, je peux faire ça. Vous pouvez les manger ou les broyer pour faire du café. Gland cuit. Ouais, mais si je les cuis avant de les préparer, ça marche pas, on est d'accord. Faut d'abord les préparer. Ouais, faut d'abord les préparer, je pense. Et après, on en fait du café. Ouais, non, mais ça va, ça, je crois que j'ai compris. Je crois avoir compris, ça y est. Il m'en a fallu du temps. Il m'a fallu un peu de temps. Ok, on fait voir un peu les torches. On va recycler ça. On va peut-être dormir ici. Peut-être. On va garder ça de côté. Quoique, on avait vu que 0,25 c'était pas le top en fait. Donc à la limite on peut l'utiliser. Ok, très bien. On va déposer la viande devant la baraque. Ah! Il fait nuit, je vais peut-être pas pouvoir dessiner par contre. Alors attends. Ah, quoique ça passe peut-être. Nickel. On va prendre tous les champignons. Cette zone est vraiment pas mal en plus. Elle est bloquée. Elle bloque le vent en fait. Genre là au-dessus de moi, là, il y a des roches et tout ça. Donc on est dans une sorte de creux. Donc c'est vraiment pas mal en fait ici. Mais bon, c'est un endroit de transit. Hein. C'est pas vraiment l'endroit où vous allez rester. Hein. Je vais voir s'il n'y a pas des objets sous le pont, mais ça m'étonnerait.
Et là, sous le pont, du coup, on est où? On est là. Genre là. Le pont, il doit être là. Bon. Au final, il n'y a pas beaucoup de champignons, je dois être honnête. Pas grand chose. Donc faudra faire attention à ces arbres là. Bon, c'est bien, on en a trouvé. Déjà, ça m'instruit sur quoi regarder. Et après, on fera plein de café. Mais ouais, moi je pense à ça, le thermos et tout ça. Si on peut mettre quelque chose de chaud à l'intérieur, un liquide chaud, je pense que c'est... C'est fait exprès, comme ça tout le monde peut l'avoir en fait. Les glands, tout le monde peut les récupérer. Genre, quand je dis tout le monde, c'est n'importe quelle difficulté en fait. Voilà. Après, quand on va partir, on va laisser les viandes de loup là. Et on va prendre nos viandes à nous. Bon, le problème, c'est qu'elle a pas vraiment sommeil. Elle a pas vraiment... On est déjà à 44... Pourquoi on a 44 kilos? Oui, j'ai ça en plus. Ah, après, on va échanger ça. Ouais, non, ça va. On est bon, on est bon, on est bon. On va patienter, je pense. Ou alors, peut-être on sort la nuit s'il fait pas très mauvais. Très bien, nickel. Ça vous dérange de qu'on se balade dans la nuit? On voit potentiellement ok. Après, c'est pas très grave parce qu'on est sur un terrain plat à chaque fois. C'est quoi ça? C'est un ours devant moi? Non, c'est un caillou. Putain de merde, ça c'est un loup par contre. Putain, il m'a fait peur ce coup. Bon, j'avoue qu'on les attire. Hein. Je vais être honnête. La plupart du temps, je sors jamais avec 3 morceaux de viande. Mais bon. Enfin, après, on a un arc plein, on a des flèches. Et le truc, c'est qu'on retourne à des endroits qu'on connaît. Donc... On va repasser des camps à nous. Donc du coup, il y a des flèches et tout ça. Il y a des fûts de flèches. Et tout, donc il n'y a pas de problème. Pouvoir dormir une heure là. J'aime pas trop monter comme ça parce que c'est dangereux. Voilà, nickel. On est presque sorti. On est presque sorti. Presque. Pas encore, mais presque. Ça prend du temps quand même, hein. J'avoue.
Après, j'essaye de bien le faire, que qu'on soit pas, qu'on n'ait pas des problèmes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On boit ça ou pas? Ça fait quoi? Ça fait 20, 250 de calories pour 0,25. Donc, ça fait 1000 si on en a 4. Là, on a 1125. Ouais, c'est pas le meilleur. C'est pas mal, mais c'est vraiment pas le meilleur. C'est un peu lourd en fait. Pour 250 calories. Ouais, non. On va. Je vais voir. Ouais, on peut le boire. Après, ça remet de l'eau, hein, mais bon. C'est pas vraiment ça le but. On sort. Elle est jolie là, la nuit, elle est bien claire. Ça, c'est rare, ça. Ouh. C'est très rare, ça. Oh, vous avez vu, on voit de la lumière là-bas, au loin. Je me demande s'ils ont pas retravaillé ça. C'est très sympa là. Bon, allez, on arrive. Oh, du charbon. Et on y est, on passe. Alors, le ravin. Ah, on n'était pas passé par le ravin? Ah non, on était passé par la mine, je crois. Ah, intéressant. Intéressant, j'avais oublié, on était. Ouais, on n'était pas passé par là. Intéressant. Ça, c'est un peu la merde. C'est pas très fun de passer ça. Du coup, on va pouvoir trouver des choses ici. Ne regardez pas en bas. Par contre, il fait un peu froid. On va potentiellement faire un feu. Si jamais on trouve une corde... tais-toi. Si jamais on trouve une corde, on peut peut-être descendre à un endroit, je me rappelle. De là, du coup, on va ressortir à côté du barrage Carter, si je dis pas de bêtises. Ouais, nous, on était passé par une mine, je crois. À la base. J'avoue qu'il fait froid. On a chaud ici. Pas vraiment. On est à l'abri du vent par contre. Le mieux serait de faire un feu ici, honnêtement. Histoire de se réchauffer. Après, on peut forcer jusqu'au barrage. Aussi, ça c'est une autre solution.
Parce que je crois qu'il y a des... Ah, peut-être des grottes. Je me rappelle plus exactement. Putain, ça m'a fait peur, c'est le... c'est le bout de l'arbre, oh la vache. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Quand même. Je me remets de suite. Je pensais que c'était un truc qui bougeait, je sais pas. Genre le dessus, là. Les feuilles qui bougent. Les branches. J'ai cru que c'était un truc qui me fonçait dessus, je sais pas quoi. Genre Enderman ou un truc comme ça. je crois qu'on a des grottes sur la droite. On va peut-être aller voir. Mais je crois qu'on va pas être seul. Monte, qu'est-ce que tu me fais là? Je sais que la grotte elle est pas là, mais je voudrais fouiller en fait la zone. Ok, on a des lapins, on va pas les prendre tout de suite. Yes, nickel. Nickel. Alors, on fait voir. Oh, bah parfait. On va finir notre nuit ici, du coup. Attends, il est quelle heure, là? 3h. 4h. Oh la vache! Ah ouais, on était en pleine forme, en fait. On était en pleine forme. On chasse des lapins avec les nouvelles flèches. Je suis un peu curieux, honnêtement. On va prendre le sac de couchage avec nous. On va prendre les viandes aussi, en fait. Je crois qu'il m'en manque une. Ah. Ah. Trouvé. Un peu la galère. Alors, attendez. Alors, hop. Bah, attendez. D'abord, on va prendre ça. Ah, je voudrais bien qu'il fasse jour, par contre. Ça m'embête. Attendez, on va prendre... Putain, je vois strictement rien. Oh, c'est de pire en pire. On va prendre les champignons. Oh, ça c'est bien. Puis après on va re-rentrer dans la grotte et dormir. Je veux juste pas me faire... Ok, là il y a un lapin. Je veux pas me faire surprendre par un loup par contre. C'est pour ça que j'ai déposé ma viande aussi. Je vais pas tirer les flèches dans la nuit. Faut pas déconner non plus.
Et c'est le lapin qui fait ce bruit là. De toute façon, les lapins bougent tout autour de moi, donc s'il y a un loup, il y a peu de chances qu'il nous fonce dessus direct. Je vois rien. Elle est où la grotte? Ok, elle est là. Je la fais à l'envers parce que sinon je vois pas. Ok. Bon ben ça va. Parfait, parfait, parfait. Cool. On va pouvoir en profiter un peu. Alors. Froid. Oh, d'accord. Ok, cool. Bon, j'étais un peu loin, j'avoue. Merde. J'ai déposé un truc. Non. J'avoue que j'étais un peu loin. On a vu la flèche, elle se plante pas. Tempête encore. On va devoir tracer un peu. Ouais. J'ai mon sac de couchage. Ouais, c'est un peu chiant parce que. Il y a beaucoup de. Ouais, voilà. De hitbox invisible en fait. C'est très très bizarre. Là, il y a quoi? Ah, mais j'aurais pu descendre directement par là en fait. À chaque fois, je me fais chier en fait à descendre par là. Ouais, là, c'est là où on met la corde. Lève les jambes sans déconner. Voilà. Parce que en bas on peut là-dedans là, on peut trouver genre des lance-fusées et tout ça là. Lance-fusée de détresse. On va devoir tracer jusqu'au barrage. Parce qu'il commence à faire un peu trop froid. C'est quoi ça? Oh, putain. C'est quoi, c'est du charbon? Oh, il m'a fait peur, ce coup. Bon, après, j'ai pas besoin de lapin, techniquement. C'est plutôt sympa hein, pouvoir avoir deux types de flèches. Moi j'attends la troisième, la partie 3 du DLC où on pourra avoir des flèches explosives. Je pense que ce sera bien pour chasser. Ce sera un peu plus pratique. Et après l'update 4, la partie 4, ce sera les flèches qui transpercent.
comme Metal Gear Survive avec les flèches qui font des trous en fait. Bon, si on rentrait. Puis après, je sais que la partie 5, ça sera l'habilité de pouvoir tirer en fait plusieurs flèches en même temps. Genre décocher genre 3 d'un coup. Eh hey, mais c'est Noël ou quoi? C'est vraiment un super endroit pour ça par contre. En parlant de flèches. Ok. Oh mon dieu. Puis après il y a l'update 6 où on aura une arbalète. C'est pas mal aussi. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Bon après ça passe au Kalachnikov et tout ça, mais ça sera beau pour beaucoup plus tard. Donc on a le temps. Ok nickel. Par contre on a tué notre vie là par contre. Je suis pas très très fan de ça, mais... Là, on a bien tué notre vie. Ouais, c'est pas grave. Je reprendrai ça en dormant, c'est pas très grave. Je vois un peu. Bah il fait jour, bah c'est bien. C'est pas mal parce qu'il fait bien jour. On peut peut-être faire le tour du barrage vite fait. Je dirais. Je dirais pas non. C'est fou, cette je crois que cette flèche elle était genre à 90%. C'est potentiellement celle qui a tapé la roche, en fait. Je pense. Ouais, je crois qu'elle prenne très très cher si elle tape des trucs durs, en fait. Gotta warm up somehow. Très bien. Je me rappelle l'époque où il y avait strictement rien là. Ok. On a beaucoup de boulot. On va pouvoir faire plein de tisanes à qui remettre des HP aussi. Ok. Donc on va essayer de bien ouvrir les yeux si jamais il y a des trucs qui traînent. Ouais. Je crois qu'il y a un problème. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui disait, qui m'a mis, ou en commentaire, ou je l'ai vu sur Steam, qu'il y avait un problème avec le barrage. Ouais, ça m'étonnerait que... Je sais plus. Est-ce que le barrage, il a toujours été aussi sombre? M'étonnerait quand même. Putain, on va devoir se bouger le cul. De toute façon, les objets, ils peuvent pas apparaître à l'intérieur d'un conteneur, hein, je pense pas. Surtout si c'est un conteneur qu'on a déjà fouillé.
Je sens qu'on va rien trouver et que ça va être une perte de temps, mais bon, je suis obligé de le faire hein, au cas où. Oh, attends, j'avais pas fouillé ça. Je suis obligé de le faire parce que on sait jamais. Le problème, c'est que on sait jamais. J'essaye d'aller vite. Hein. J'essaye d'aller le plus vite possible, comme ça on se casse d'ici très vite. Mais il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas des choses qui sont apparues. On va surtout aux gros endroits où il y a des... genre des réserves. Non, là non. Ok. Oh, c'est quoi ça? C'est des nouveaux casiers? Pourquoi le cadenas était rouge? Le cadenas était rouge. Mais non, ça c'est la porte qui s'ouvre pas. Tu vas me dire que je suis passé à côté du... côté des casiers la toute première fois que je suis... Après c'est possible hein, parce qu'il y a tellement de choses à regarder ici. C'est possible. Hein. Mais bon. Maintenant, quand on a des casiers fermés, on a un cadenas rouge au lieu d'un cadenas blanc. Putain, je me suis dit, oh, c'est un truc spécial et tout. Pas du tout. Pas du tout. Winterland, ils savent pas quoi faire de leur temps. Donc au lieu de bien travailler, ils se disent « Ah tiens, on va changer la couleur du cadenas sans raison. » Ça va faire 7 ans que c'est en blanc, on va le changer en rouge maintenant. Honnêtement, là, si on n'a rien trouvé, c'est bon, il n'y a rien du tout. Parce que là, on a fait les plus gros endroits, en fait, du barrage, où il est censé avoir pas mal d'objets à chaque fois. Mais là, je pense qu'il n'y a strictement rien. Ok, Cassos. Oh! Nécessite clé de souvenir. Non! Est-ce que je peux me déplacer dans le noir ou pas? Ouais, non. C'est pas que j'ai peur du noir, mais... je vois strictement rien. Bon, déjà, on sait où est le coffre du souvenir. Donc, c'est vrai que j'avais oublié cette mécanique avec les clés, là.
Donc, ça doit être au lac mystère, je pense. Peut-être dans une voiture. Enfin, il n'y a pas beaucoup de voitures au lac mystère. Il y a de... bah, devant le barrage. Il n'y a pas grand-chose. Je me suis dit, peut-être qu'on pourrait sortir là, mais ça m'étonnerait. Enfin, on l'avait fait de toute façon, cet endroit. On avait fouillé, donc... Donc ça m'étonnerait qu'on ait loupé genre une clé si elle était à l'extérieur du barrage. Donc c'est peut-être dans le lac mystère lui-même. Je dirais. Bon, allez, on se casse. On peut pas enjamber là. Allez, on se casse. Oh mon dieu, je vois strictement rien. Non, je suis en train de me dire, mince, j'ai peut-être oublié des trucs. Ça, j'ai peur de me péter une jambe. Je pense que si on court, on peut arriver de l'autre côté et on peut descendre directement, mais bon. J'ai un peu peur. L'allumer pendant que tu marches. Ça, c'est un truc aussi, hein, ça m'a toujours exaspéré. Qu'elle allume pas la lampe pendant qu'elle marche. Si on peut l'éteindre pendant qu'on marche, il suffit de ranger l'objet en fait directement au lieu de l'éteindre avant de le ranger. Par là, on est bon, on est cassos. Bon, je crois qu'on est arrivé à notre épisode. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais on va aller s'arrêter au camp. On va aller s'arrêter... enfin, au camp. Oui, à notre base, quoi. La base du lac Mystère. Après, je sais pas si je vais faire passer du temps entre le prochain épisode et maintenant. Je pense pas que ça soit nécessaire. Mais... Ah oui, là on avait... Je pense pas que ça soit nécessaire de... Oh là là. Oh, attends. On va ramener tout ça au camp. Comme ça, ça sera au camp. Je pense pas que ça soit nécessaire de passer du temps. Je pourrais juste dormir et après on se casse en fait. Je pense que ça passe. Il fait pas trop froid. On a plus de... On sent plus la barbaque, hein, c'est bien.
Honnêtement, passer par le ravin, c'était cool. C'est une très bonne chose. On a récupéré des... beaucoup de ça. Et on a récupéré des bois pour faire des flèches. Donc, honnêtement, très très bon. Je suis très content. C'était une bonne rentrée. Merde. J'ai pris la tête. Franchement, si on trouve pas de matériel, genre... c'est quoi ça ? Non, rien. Genre fusible et tout ça dans le barrage, il y a de grandes chances qu'il n'y ait strictement rien ici. Ouh, il y a plein de... Pourquoi il y a des plumes ? Oh. Plein de petits bois. Mais ouais, si on n'a pas trouvé de fusible et tout ça, je pense qu'il n'y a rien, il n'y a strictement rien ici. Je vois pas trop où ça pourrait être, à part le camp principal. Mais bon. Fusible, électronique et tout ça, ça rime bien avec le barrage de Carter en fait. Ah du coup, ça fait une zone... Ouais non, une zone et demie. Une zone... Ah putain. Ah, ta mère. Une zone et demie en un épisode, c'est pas beaucoup quand même. Ah, tu me fais chier. En plus, je suis un peu lourd, donc je vais pas très vite. Le problème, c'est qu'on risque d'en avoir d'autres en face. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en hauteur. On va pas courir. Ah, tu m'as lâché. Il y a du monde ou pas? Je veux bien aller fouiller en fait. Putain, il y a plein de bois partout, c'est fou. C'est incroyable. Il y a plein de petits bois partout. Personne. Juste au cas où, hein. Ah, on va le faire souvent, ça. Hein. Le juste au cas où on fouille, on va le faire vraiment souvent. Parce qu'avec tous les rajouts, on est un peu obligé. Oh! Les arbres! Oh, les arbres pour les glands! Oh, ça tue! Oh, il y en a sur la route, ça pète! Mais c'est comme ça, ceux qui donnent des glands. Ça, on dirait des arbres de... Genre de sacrifice que vous trouvez dans les forêts de Blair Witch, quoi. Enfin, les forêts de Blair Witch, ça veut rien dire. Il n'y en a qu'une seule, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Genre les grands, vous mettez plein de pendus et tout, et ça vous fait un film d'horreur. Bah ouais. Ok, il faisait que passer.
Donc à chaque fois, c'est 3. Et lui, il y a quelque chose... Ouais. Putain, ça pète! Ça, c'est cool, je suis content. Ah, il y en a un en face. C'est quoi ça, là-bas? Ça, là. Je sais pas ce que c'est. J'espère vraiment qu'on a un marteau au camp, là. Parce que je voudrais tester, en fait, le café, là. Mais je vais être honnête, je pense pas qu'on ait un marteau. Je suis pas sûr. Je crois qu'on a laissé un marteau à la forge de Muskegmorn. Ça, je suis quasiment sûr qu'on a laissé un marteau là-bas. Attendez, on va se remettre au centre. Comme ça, on voit les deux côtés. Donc, on a fait ça, 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 ça. Ok, ça, c'est un feu, en fait, que j'avais fait. Bon, l'épisode, il est un peu long. Hein. Je suis désolé, il dépasse un peu l'heure, mais... Au moins, on s'arrête bien au bon endroit. Par contre, il fait encore jour. Peut-être que... Je vais peut-être pas dormir, parce que la plupart du temps, comme d'habitude, hein, ça fait des années que je fais ça, j'essaye de couper pendant qu'on dort. Mais là, vu qu'on a avancé pendant la nuit, et bah, du coup, on se retrouve à la moitié du jour. Là. Donc, ce que je vais faire, peut-être, c'est que quand je passe la porte, enfin, je repasserai la porte pour sauvegarder. Et moi, j'essaierai de ranger, ou alors préparer mon équipement et tout ça, et peut-être faire encore le tour du périmètre pour voir si je peux... pas récupérer des choses vite fait. Alors 27, nickel. Did I say I hate being cold? Because I really do. Nickel. Ah, ça tue. On a encore plein de nourriture. On a des fétous ici. Alors, attends. Ça on garde. Ça on laisse. This pack is getting kind of heavy. C'est quoi ces viandes avec très très peu de calories? Chelou. C'est bizarre ça. Ok, on est de retour ici. Alors, fourrure de cerf, ça c'est bien. Ours, loup et plein de lapins et plein de boyaux. Enfin, non, pas plein quand même. Quelques boyaux. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir même réparer mes... je vais pouvoir réparer mes vêtements. Ça, ça pète. Juste avant de partir. Nickel, on pourra faire le tour de notre équipement. Fais voir. Donc là... Alors, on veut ça. On a des torches aussi. Nickel. Bon, on avait vu qu'il n'y avait strictement rien au barrage. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose ici, honnêtement. Ah tiens, on peut recharger notre lampe. Eh ouais. Des allumettes. Il n'y a pas de marteau. Ah attends, si, peut-être là. Oh merde, il n'y a pas de marteau. Fais chier. Merde, y a pas de marteau. Ah, j'avoue que ça m'embête. Hein.
voir l'arc, 29%, 89%. Ok, on va déposer ça. 3. Là, on a plein de trucs. Honnêtement, c'est cool. On a plein de trucs. C'est vraiment bon. Ouais, on n'a pas de marteau. Je crois que... Ce qu'on va faire, je crois que quand on va passer Muskegmorn, on va être obligé de faire un petit détour à la... Un petit détour à la forge. Pour aller récupérer le marteau. Parce que maintenant, on en a besoin. Ah, ça fait vraiment chier. Bon, bah du coup, on a tout, c'est bon. Ouais, non, ça me fait chier, par contre. Parce que Muskegmorn, c'est... Muskegmorn, ça peut être super simple. Ou alors, ça peut être super chiant de passer. Parce que ça dépend du temps, évidemment. Ça dépend vraiment du temps. Donc, Muskegmorn... Muskegmorn. C'est là. Surplomb-on, transmettier haute fréquence. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça, on doit la réparer ou pas? Parce qu'elle servait à rien, en fait, dans le... Avant. Après, c'est là où on doit aller. Putain, donc, nous, on va... Je crois que c'est par là qu'on arrive. Ça, c'est quoi? Réserve de souvenirs. Oh, ok. Je sais plus si on avait récupéré ça. Ancienne propriété. Hop, comme ça, en fait. Ça, c'est de la merde. Ça va être embêtant. Avant qu'on se quitte, on va faire les glands. C'est nouveau. Alors, fais voir si j'en prépare deux. Donc maintenant, j'en aurai quatre. Et on va s'arrêter vite fait, hein, parce qu'après... Alors, hop, grande portion. Parce qu'après, ça va être très très long. Très très long comme épisode. Alors, fais voir un peu. Attends. Gland préparé, gland sans coque, faites les cuire avant de manger ou les broyer pour faire du café. Ok, on a une grande portion maintenant, ça va, c'est cool. Ça marche. Donc on fera ça, on les broiera. Ah, il faut les cuire d'abord, d'accord. Ah oui, j'avais pas vu. D'accord, il faut les cuire d'abord, ok, ça marche. On les cuira alors, ça marche. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Ce sera notre épisode qui était un peu long cette fois. Mais bon, il y avait pas mal de choses à faire. Je vais peut-être faire... Bah tiens, il fait jour. Je vais peut-être profiter du temps que j'ai encore avant de dormir pour faire les glands et tout ça. Et comme ça, je vous montrerai pour la prochaine fois. Je pense que je vais faire ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.